Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue ici à Namur, en Belgique, la capitale européenne du poker, en ce dimanche 21 mai, où eh bien, le plus beau hein, des 1100 d'Europe, organisé par le Circus, organisé par Poker Stars, eh bien, a accouché enfin de sa table finale. Et eh bien, on a eu un très très beau casting, je vais ouvrir les chats les amis. Et vous saluez tous eh bien, sur les chaînes de Twitch, de PokerStars, de YouTube et de Facebook également, de PS. Oh là 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 là, ça va commencer très fort avec Benoît Grobo-Copatel face à Bao, la seule joueuse de cette table finale. Et Benoît, il a tout simplement frappé le brelan face à Bao Hosseini, la joueuse allemande. J'espère que vous êtes tranquillement installés chez vous, ça va commencer fort fort fort, ils ne sont plus que 9, assurés quoi qu'il arrive les amis de 19 000 euros pour un 1K de buy-in, 1100, Bao elle devrait payer normalement, hein. Elle avait défendu depuis la grosse blinde, elle devrait payer avec la meilleure hauteur et son tirage quinte par le ventre. Allez, on va faire full pour Benoît. Benoît qui va en plus pouvoir tranquillement, je pense, faire une toute petite mise, voire peut-être même checker. Il couvre largement Bao. Ouais, on a préparé une mise. Ah, on a fait un petit 450 000. On espère très fortement. Alors, lui, il bloque les 10. Il y a deux as par terre. Donc, il sait qu'il va y avoir peu de chance quand même pour y prendre un peu d'argent. Il bloque pas mal de gros jeux. Et il espérait hein, tout simplement que Bao est un as et qu'elle soit ferrée, complète dans cette histoire. Allez, on va commencer par Twitch, les amis. Avec Legend Raver, avec Dwayne, avec Wilfred, Henri Sud, Dame de Pique, Win Poker, It Sounds Good, Mister 70, Gigi bien évidemment, Pavarotti, Yonette, Savage, il y a eu un long clip, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai l'impression que oui. Coucou à Poker Pro, à Bigouden, à Dom Richard, à Mega Ragnaros, à PBTF, Polo. Un gros coucou à tous. Benny est pour le moment en train de commenter du football. Et sera là, bah, j'espère, hein, un petit peu plus tard dans l'après-midi. On va retrouver dans cette table finale, vous le voyez au siège numéro 9, le meilleur joueur de la vie de tous les spécialistes, le meilleur joueur francophone sur ces 1K. Il représente l'Algérie, hein, Omar Lagdari. Bah, tout simplement, hein, le papa, le daron du circuit en ce moment, c'est lui qui mène en général le train et qui mène très souvent dans les chip counts. Et là, c'est lui hein, qui est en tête. Alors, je crois que ça se jouait à pas grand chose au début de cette journée. Non, en tête, c'était ce joueur que l'on voit, Jérôme Arnaud, avec le pull noir, Calvin Klein. Et ouais, il y a Omar, il y a du monde. Hein. Il y a Benoît Grobo-Copatel qu'on avait suivi, qui avait fait, si je me souviens bien, top 3 du Millennium qu'on avait commenté avec Benny du côté du club Montmartre. Et on va avoir une bataille de blindes entre Bao Hosseini et David Janssen, le joueur belge. David Janssen, c'est le short stack de cette TF. Il se retrouve avec As-3 suité. Alors, je connais pas trop le style de jeu de Bao. Mais disons que là, sur des blindes... 50 000, 150 000. On a envie de penser qu'on est quand même pas mal. Et il décide de shove sur le limb. C'est passé tout de suite par Bao. Elle avait quand même une bonne main, hein, Bao. Main intéressante, mais elle était dominée par David. Allez, coucou à... Allez, on va les présenter.
Donc, alors, ils sont pas dans, dans l'ordre, là, sur les... le type camp par ordre de siège. Mais on va aller, aller voir tout de suite. Omar, donc, qui est en tête, maintenant, devant Jérôme. Devant Arthur Thiriart. Devant Benoît Grobocopatel. Bao... Hosseini, Tal, Ohana, le joueur avec le seul drapeau d'Israël qui a 5 millions. Jérôme Balthazar, le belge, avec 4 millions. Paolo Calculi avec 3 millions. Et enfin David Janssen avec un tout petit peu moins de 20 bébés. Allez, on va les découvrir. Donc Tal, ici, qui a passé. On a Benoît... Grobocopatel qui est un joueur de cash game, un joueur de PLO. PLO 4, PLO 5, honnêtement j'en sais rien, je pense un petit peu tout d'ailleurs. Mais c'est un joueur qui s'essaye de temps en temps en tournoi et avec beaucoup, beaucoup de réussite. On aura le temps hein, les amis d'aller regarder un petit peu les end and mob de tout le monde. Là on a Jérôme qui est en train de réfléchir, sponsorisé Calvin Klein. Jérôme Arnoux avec Roi Valet dépareillé. Il va open, White Jack, il est deuxième en stack maintenant, il était chip leader au début de cette table. On a David Janssen en small blind qui va passer. Et Paolo, l'italien, avant-dernier en jeton, 9 et 2 off, ça ne sera pas une défense. Et un gros coucou à tous, coucou à Zlatan, coucou à Djoubi, coucou à Mickey Olin, à Punto Pulco. Et n'hésitez pas à me dire, alors, pour qui vous êtes. Pour l'instant, peut-être que vous ne connaissez pas grand monde. À moins que vous ayez votre petit poulain, votre favori. Et un gros coucou à tous ceux qui sont aussi en Belgique. Alors, pour ceux qui seraient géolocalisés, hein, qui ne pourraient pas regarder autre part depuis la Belgique, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur C-Poker, la chaîne YouTube. De ces pokers, de notre bon Will qu'on salue qui est à la Real, ou alors sur la page Facebook du Circus. Ah, Benoît qui fait quand même pas mal de places payées pour un joueur de cash. Ouais, je trouve qu'il a un vrai gros pourcentage d'ITM et même de belles places. Hein. Benoît Grobocopatel, il a relancé. Qu'est-ce qu'on avait fait chez Arthur? Non, on a relancé. C'est Arthur qui parle avec Asuit qui passe. Bao Cutoff qui va passer également. Alors, est-ce que paire de 9, 100% brelan ou pas? Il a déjà fait brelan avec paire de 10 tout à l'heure. Paolo qui va passer son roi 8. Et Jérôme Balthazar, 8 et 4 off. On va passer la structure, les amis. Elle est incroyable. Elle est monstrueuse, les joueurs n'en revenaient pas, ils ont pu débuter déjà depuis un petit moment pour ceux qui se sont lancés sur le D1A ou sur le D1B. Mais c'est une structure, une heure sur le D1, une heure et demie à partir du D2. Une vraie dinguerie, 200 joueurs dans l'argent, il y a de très 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 beaux noms. J'irai vous donner quelques noms des joueurs qui se sont notamment illustrés dans ce tournoi, qui ont pu faire une place payée mais qui n'ont pas été plus loin. Mais il y a du très beau monde. Allez, Talouana qui passe UTG. On va voir quel rythme aussi va imprimer celui qui fait peur à tout le monde. Omar Lakhdari. Pour le moment, depuis la prise d'antenne, on l'a pas encore vu jouer un coup, mais il y a eu une main qui s'est disputée un petit peu avant la prise d'antenne. Et a priori, Omar l'a prise, cette main, pour reprendre le chip lead. Coucou à Boubi. Un coucou aussi à Lolo Polito, qui doit être dans le coin. Tout à l'heure, m'a envoyé un message pour me demander si c'était diffusé. Bien sûr que c'est diffusé, mon Lolo. Il va y avoir beaucoup de supporters. C'était aussi... j'avais Michel Cohen, Massou. Notre sympathique responsable tête de gondole des Entrams qui nous disait, qui me disait avant même que ce BPC commence qu'il mettait une énorme pièce sur celui qu'il appelle son poulain, Omar Lakhdari. Et c'est vrai que tout le monde, depuis le D1 où il s'est placé tout en haut du chip lead, tout le monde
redoutait en tant que joueur, en tout cas, ce scénario d'un Omar chip leader en table finale. Par contre, tous les suiveurs, comme moi ou comme vous dans le chat, on est super heureux de voir Omar en table parce qu'on sait que ça va nous donner du spectacle. On a fait tapis le 3-bet all-in de Paolo, l'Italien, sur la relance d'Arthur. Avec 10 et 9 suités, Arthur qui ne pourra pas payer, un petit peu trop cher. La petite ouverture du Perrier, là c'est un oasis tropical, les amis. Et bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez en ce dimanche après-midi, le BPC, le Belgian Poker Challenge, le plus beau 1100 euros en Europe, la plus belle structure. Ils ont passé le million de prize pool, plus de 1 million 2, c'est 1 277 exactement. Et c'est Arthur Thiriard qui va open au hijack avec As-3 off. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte parce que Bao a décidé de rentrer dans cette main. Bao Seini, la seule féminine, la dernière féminine dans ce tournoi. Waouh, et Paolo qui décide d'y aller avec l'argent mort. En estimant qu'il y avait un peu d'argent mort, le Just Call de Bao. Pour l'instant, dans ce qu'elle nous a montré, effectivement, son Just Call ne veut pas dire qu'elle a un gros jeu. Donc derrière, si Arthur est un petit peu light, et ben c'est de l'argent... facilement gagné pour Paolo. Très bon shove. Et Omar qui lui dit bien joué l'araignée, mais j'ai vu ce que t'étais en train de faire, l'ami. Durée des blindes pour Astano, 90 minutes. On a demandé à ce que ce soit réduit, hein, parce que c'est juste pas possible. 90 minutes en TF, quand ils vont être 4-5. Ça n'a plus de sens. Allez, t'as l'UTG As-4 off, on va passer. On va dire 90, ouais. 90 minutes. 90 minutes, t'as complètement raison, mon Gigi. Et effectivement, hein, du coup, ça va peut-être changer deux, trois trucs dans les prises de décision. Hein. C'est que dans d'autres circonstances, on pourrait se dire qu'on n'aura pas vraiment de meilleurs spots parfois quand on est short stack, notamment pour David avec les deux valets tout à l'heure. Mais après, si on a une structure qui est vraiment, vraiment, vraiment giga deep, on peut en avoir pas mal, hein, des situations de double up. Allez, attention, Omar qui va re-raise depuis la grosse blinde sur l'open de Jérôme en SB. Jérôme, il avait limpé et il sait que c'est ça le souci. Hein. À jouer contre Omar, il a limp re-raise all-in et Omar qui l'attend avec 2-10. Peut pas lui en vouloir à Jérôme Balthazar d'avoir joué cette main comme ceci. Omar, il va 3-bet, enfin il va 3-bet, il va iso ici avec paire de 10, mais il va iso aussi avec... plein de mains assez moyennes, surtout des mains qui vont être un peu déconnectées et dépareillées, des mains qui ont peu de jouabilité. Là, il est bien parti. Ah, attention, on a backdoor pick et backdoor quinte pour Jérôme. Waouh, tirage quinte par les deux bouts. Omar ne l'a pas vu. Et river, elle est pour Omar. Élimination de Jérôme Balthazar en 9e position pour 19 000 euros. Bravo à Jérôme et une 100p. Ah, c'est trop dur contre Omar. On a son plan.
On raise un as, le plus mauvais des as, en plus celui qui a la moins bonne jouabilité. Et derrière, le shove, moi, ne me choque pas du tout. Mais là, même, enfin, 13 contre 3, Zlatan, c'est pas vraiment ça qui va me faire prendre ma décision. C'est sûr que ça va nous permettre d'être plus tranquille si jamais on décide de call. C'est-à-dire que bah, si on se trompe, on n'est pas out, mais c'est quand même plutôt pas mal d'avoir 13 millions, d'avoir plus que Grobogo Patel qui est juste à ta droite, d'être deuxième en stack. Pas sûr que ce soit si clair comme de l'eau de roche. En tout cas, voilà, pour les amoureux de poker deep, on a de quoi faire, on a du contenu. Allez, Omar qui a raise au cutoff, il se fait 3 bêtes par tal. Oh, Benoît avec 2 dames. Ouais, je pense que c'est le coup est assez simple à jouer pour Benoît. Je pense que c'est de faire 2 là ici, 2 millions. De toute façon, on va pas passer sur Tal. Faire 2 millions, faut pas tomber contre 2 As d'Omar, 2 As ou 2 Rois d'Omar. Je pense que tu écartes Omar de l'histoire et tu joues contre la range de Tal. Tal, normalement, il a une belle main. Hein. Pour moi, il a 2 9+, 2 10+. Pour avoir 3 bêtes comme ça au bouton sur le cutoff d'Omar. Alors après, il a peut-être de temps en temps quelques mains un peu trashy, mais... Ouais, il fait 2 millions 4, voilà. Comme ça, Omar va s'en aller tout de suite. Allez, As roi de dame. Je sais pas qui c'est qui est en train de dire, j'enlève un as. Allez, il n'y a rien contre Talohana, mais on aimerait bien que ça tombe un peu, et ça tombera pas. Ça va nous mettre un Benoît à 5,5 millions. Short stack. Et Talohana qui double up. Omar qui a réussi à être payé au max quand il avait 2-10 pré-flop en bataille de blinde. Et c'est Paolo, UTG. Paolo, il a des airs de Guillaume Darcourt un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez. Pas de ce profil-là, mais quand on le voit de face. Peut-être Guillaume Darlon, peut-être. Tal qui a... Non, il a pas passé sa paire de 7, là, pas encore. Il y a Omar qui a relancé déjà à 500 000 avec 8 et 6 suité. Est-ce qu'on va call chez Tal? Il y a assez peu quand même de spots de squeeze qui sont pris. Voilà, c'est collé. Arthur qui a passé dame 10. Roi 10 off. Bao, tiens, paire de 9. Devrait y aller Bao là quand même. Est-ce que c'est la deuxième main de la... Ce serait potentiellement le deuxième flop qu'elle pourrait voir et la quatrième main jouée. Ah bah elle a décidé de faire tapis avec sa paire de 9. C'est plutôt bien joué de la part de Bao. Qui en plus avec son image, alors je pense pas que Tao va coller paire de 7. En même temps s'il s'attache aussi, il a 7 millions 7.
Voilà, c'est passé par Omar assez tranquillement. Dit au revoir à ses mains, à sa main. Bon alors Tal, la seule question qu'il a à se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir As-Roi dans la main de Bao? Et à partir de quel paire elle chauffe? Bah, normalement c'est un fold. Hein. Oh, il a décidé de call avec une main dominée. Bao qui était descendu à 2,4 millions et qui va partir à tapis avec la meilleure main. Pas réfléchi longtemps, Tal, pour aller mettre ses 2-7 au milieu. Allez, faudrait pas qu'elle prenne un 9, là. Un 7, je veux dire. Oh là là, le 7 pour Tal. Bao qui joue 6-8 encore, ou le dernier 9. Ouais, et bien, ce sera un roi. On perd, malheureusement, Bao Husseini. Sur un joli petit bad beat des familles. Ouais, c'est l'overbar, ouais, Fauzi. Overbar. On en a eu quelques-uns aussi, hein, des overbars. On parlait du Power Jam aussi de Mike Watson, qui l'a fait sur le PT Monte Carlo plusieurs fois. Il l'a fait notamment une fois pour essayer de... Bah, je crois d'éviter les splits. C'était sur un board, je sais plus exactement contre qui, mais vous vous en souvenez peut-être. Sur un board où c'était venu, je crois qu'il avait As-Valet, il avait Raise, on parle de Mike Watson à l'EPT Monte Carlo. Il avait As-Valet suité, il avait Raise, il s'était fait 3 bêtes par un mec qui avait décidé de jouer un petit peu le show avec Roi 10 off. Et c'était venu 9-4 quelque chose, turn 9, river 4, ou le contraire, turn 4, river 9. Et il avait décidé de faire quasiment 2,5 fois le pot river pour essayer d'éviter des splits. Oh, attention, on a eu le tapis de Paolo, tout de suite payé par Omar. Omar qui a la meilleure main. Omar As-9, As-4 pour l'Italien. L'Italien en danger, mais il y a des chances de split, on le sait. Ouais, encore plus sur ce tableau-là. Alors, les cœurs sont contrôlés par Omar. Et Omar qui va éliminer Paolo en 7e position. Ils ne sont plus que 6, donc l'Italien qui repart avec 32 000 euros. Et un nouveau, une nouvelle élimination d'Omar Lagdari. Paolo qui dit au revoir à tout le monde. Omar qui est plus concentré... À compter ses... Le temps avec Tapi, comment ça... Pas pu, malheureusement, j'étais en famille, donc c'était un peu compliqué de pouvoir passer trop de temps avec les poteaux. Je me suis retrouvé à 3h30 du matin avec Tapi. Bon. J'aurais bien aimé. Moment fort. J'aurais bien aimé. Ouais. J'aurais préféré. C'était pas la meilleure idée du siècle d'emmener la famille là, sur le tournoi. C'était cool, il y a eu la soirée Poker Stars qui était assez bonne. Avec, ah oui, alors vas-y, raconte, c'était quoi ce barbecue, c'est bon hein? Barbecue, plutôt pas mal, des petits burgers, ils avaient mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouffe. Ah, sympa. J'ai dit à Maria, j'ai dit, vous avez bien assuré, parce que c'est souvent ce qui... Voilà, trois bêtes d'Omar, et ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on a? J'ai cru entendre Rollin. Non, il peut pas, Jérôme, il a non, pas non. Le stack, il est obligé de... Par contre, il va call, je pense, non? C'était 6 suité, est-ce que... Non. C'est dur parce qu'il faut vraiment bien flopper. Hein. Tu vas souvent mettre 2 millions un peu pour rien sur 11 millions. Tu vas rarement faire top pair. Il faut vraiment flopper comme il faut. On n'a pas assez là. Et si c'est de off, ça gagne pour Omar. Ouais, il est vraiment au-dessus. Il est vraiment au-dessus en termes d'agressivité. Il n'y a rien à dire. Regardez quelle vitesse. Il s'est reconstruit un stack. Là, c'est affolant encore. Sur la main d'avant, a priori. Bon, là, on fait. On a une range très, 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 très strong. Est-ce qu'on peut acheter ces cartes quelque part? Nous demande Bolognaise. You are celle-ci. Bonne question. Ouais, faut plutôt s'adresser, à mon avis, au Club Circus. Hein, ouais. Je sais pas du tout. On n'a pas vu Orichard. On n'a pas vu. De Small Blind. Il a passé As-10. Bon. Ouais. On était sur des histoires de tournoi live.
Ça arrive au Richard, tant, tant, tu sais, on peut passer à côté, ne nous en veux pas. Allez, le voilà avec As 8 off. C'est moins bien. En SB mais versus c'est... Omar. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, il veut pas partir au combat. Sachant que tout à l'heure, il a shove et là, 15 blindes. Et là, il le prend pas. Là. Tu vois, tout, à l'heure, il avait shove 15 blindes, roi 9 suité sur Omar, qu'il a cuisiné pendant 3 minutes. Il avait As 8 off. Et depuis, bah, ça a marché. Il a peur. On a relancé. Oh là là, là, le bon pif. Ouais. Le bon pif de l'ami David. Ouais. Bah, ça va être tapis, hein, cette blinde ici. Chez Benoît. Et Omar qui doit call. Allez. C'est call. Paire de 5 contre paire de roi. Omar qui espère qu'il y a un As-Roi, As-Dame en face. Bonne chance. Ouais, il y a tellement rien. La façon 2-5, c'est quoi là, les amis? Il peut y avoir des As-4 suités, des As-3, des As-2. On va y aller avec 2-5. Oh, attention. Ouvrez la cage aux oiseaux. Les piques aussi. Tu vois le 3 de pique là? Oh, oh, un 3 qui n'est pas un 3 de pique, mais qui est un 3 quand même. On joue tellement de. Oh, waouh! Quelle horreur pour le pauvre Benoît. Robocop, gros boco, Patel, béni, l'armure de Robocop s'est fendue. Waouh. Quand tu vois, de toute façon, tu vois ce 3 turn, là, tu sais que ça sent quand même... Ça sent le sapin bien, bien grillé. Ouais. Le super-héros. À l'armure fendue, béni. C'est pas l'audacieux casque rayé. Ah ouais, c'est... Il est quand même un peu rayé, là. Ouais. Comme ça... Claire. Quatre coins de la table, on dirait... Les quatre points cardinaux. Ouais, ouais. On aurait pu dire aussi, tu sais, ce jeu hypoglouton. Oh, j'aime beaucoup. Chacun doit essayer, avec son glouton, d'aller attraper... Avec son hippo, you. Avec son hippo, d'aller attraper les gloutons, justement. Et de gloutonner, de gloutonner ce qu'il y a au milieu. Ouais, bah pour l'instant, celui qui a la plus belle allonge, c'est Omar. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul hippo qui marche. Parce que souvent tu prenais le truc, il y avait un hippo qui marchait ouais, pas. Ouais, c'est souvent un peu, ouais. Je sais pas pour ceux qui ont joué à ce jeu, mais c'était un peu le truc où à force c'était usé. Ouais, parce qu'on allait comme des sagouins. Ouais, c'est clair. Oh la vache. Allez. Ça existe encore ces hippogloutons? Oui, j'espère quand même. Je pense, ouais. J'ai joué à un jeu qui s'appelle le billard de Nicolas, je crois, un truc comme ça avec des trucs à souffler. Un petit peu le même style. Allez, As-Valet chez Omar qui a open. Tal qui call au cutoff, roi 10 suité. Attention, j'ai l'impression que Tal il ne demande qu'une seule chose, c'est de passer sur le grill. Ouais. Et Omar lui dit attends, toujours toi. Sympa. Oh là là. Flop avec deux as. Et surtout, you, surtout une collante hein, ouais, avec cette as de cœur. Super collante. Ouais, c'est fini. Le 6 de pique à la turn. Ouais, mais on a toujours une belle hauteur hein, ouais. Chez Tal. Il y a toujours un qui allait plus loin que les autres, nous dit Gildet. N'empêche qu'Omar là, ça prend. Regarde. Ouais. Hauteur max, il prend un roi ou un 10, ce sera un 2. Ouais, un 2. Un 2, c'est pas mal. Un 2, c'est comme tu un peux roi. Te sentir presque. Encore un, encore beau. Faire le gros call hauteur roi contre Omar Lakhdari. Ouais, regardez les amis, je vais call. Ah, il a mis un peu n'importe quoi. Ouais. Omar, il en a mis partout. Oh, il a call! Avec hauteur roi, il l'a travaillé depuis tout à l'heure. Et tiens, regarde, je te montre un brelan. Tiens, voilà mon brelan. Waouh, il monte à 40 millions. Ouais, non, mais là, attention, Tal est en train de légèrement dévier là sur son papier calque. C'était du papier millimétré. Un peu plus de 40K. Ah, c'est une masterclass. Hein, rien à dire hein, de la part d'Omar. Je sais pas si normalement, il est quand même bien parti pour le prendre ce tournoi. Mais quoi qu'il arrive, comment jouer chip leader? Par Omar Lakhdari, là, aujourd'hui, on assiste à une démonstration de la part de l'Algérien qui, une nouvelle fois, nous montre tout son talent. Alors oui, il touche, mais tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous, hein, être capable aussi de faire payer ce que disait You, ses adversaires hauteur roi, pan, as de suité, ouais. Pendant qu'en même temps, on est en train de faire un café. Il les connaît, ouais, c'est ça, il est bon ton café. Limite, c'est lui qui va demander la machine d'espresso à côté, là. Qui veut un petit ristretto, là? C'est Omar qui va faire les cafés. Il est presque dans la position magnifique où il pourrait deal plus que la win. Alors, disons, vous prenez tous les 200K. Je prends 220. Ouais. Je prends. Allez, Jérôme As-Roi.
en small blind. Ah, t'as un roi ici, à la place de Talo. Comment tu la Ah, il joues? a 15 blindes, c'est presque un peu trop, il peut passer, je pense, hein. Sur la grosse blinde de marge, je pense qu'il n'y a pas de honte à passer. Elle a décidé de faire Ah tapis, ça va mal là là, se ça va être passer. Jérôme qui va venir derrière et ça, c'est pas bon signe. Non. C'est pas bon Waouh! signe pour Tal, c'est plutôt bon signe pour Jérôme. Ouais. Ouais, c'est pour soit un busto, soit un cripplé, hein. Ouais, you 15 blindes ici, roi 6 off. T'es pas mi-fig. Ouais, j'aime pas trop, non. On peut regarder le tableau, les amis, hein, c'est pas interdit. Et bonne chance à ceux, hein, ceux gros dés. Attention, on va jouer un Ouais. 7 ou un 6. Oh là 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 là, you, tu l'as pas annoncé. Ouais. Dur pour Jérôme. Très dur pour Jérôme, celui-là, là. Ouais. Oh là là, ouais. Et Tal qui va donc se retrouver. Vous étiez quelques-uns à annoncer Tal contre Omar en H. Effectivement, tu dis, tiens, si là j'ai envie de me faire une petite table télé à Barcelone sur un EPT genre fin de jour 4, Ouais, mais avec encore 40 joueurs restants, tu vois. j'ai envie de voir un Omar contre du top reg étranger, Avec Pedro ce. Marquez, Ouais, avec un Tom Mulder, tu vois, avec ce qu'on ouais. a vu ces derniers. Si tu prends un peu le casting des mecs qu'on a. Adrian, Ouais, Adrien Mateos Diaz, Tom Mulder, tu mets Omar là-dedans. Puis tu lui mets peut-être aussi un Frenchie nouvelle vague, Yannick Cardo. Ça donne envie, hein. On a envie d'un beau Barça. Alors en tout cas là, on a décidé de. Alors j'ai l'impression qu'on avait Leap chez Omar et qu'on a Raid chez Tal avec Dame 8 off. Ai-je bien lu? J'ai l'impression que oui, parce que là Tal il va miser. Alors il pourrait miser sur cette texture de board en décidant de long bet aussi. Hein. Ça se pourrait. Et il va avoir du répondant parce qu'on a fait deuxième paire et backdoor flush hein, chez Ouais. Omar. Ouais, cet as de pique là qui va ouvrir le tirage couleur, qui va faire rentrer le tirage couleur à pique. On va vérifier tout de suite si on a un pic. Ouais, Il a oublié de malheureusement. vérifier la deuxième. C'est génie. Il a pensé après. Ouais. C'est moi, c'est un peu grillé si j'en regarde qu'une seule. Le problème c'est que pour Omar, hein, c'est qu'il a une paire là ici, donc il n'a pas vraiment besoin de bluffer en fait. Ouais. Sur un board comme celui-ci, on pense peut-être que sa paire est bonne. Ouais, il va pas le faire. Il sait que ça le saoule un peu. Ça le saoule un peu là. All-in. Ah, all-in en soufflant, c'est pas mal. Waouh. All-in en soufflant, c'est mignon. Oh, le Oh all-in en mode là là dégoûté. là 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 là, mais quel génie! Oh là là, il fait tout, il lui fait tout. Eh, c'est magnifique, hein. Les amis, ils arrivent à faire passer le 8 là, mais quel génie! Allez. On entend les encouragements. Oh, le tel contre tel! Ouais, mais Nescard me dit, ouais, mais Nescard nous dit, ouais, les gars, attendez, il y a 55 millions versus 9 millions, donc déjà il y a Non 12 avant la mais. main, c'est pas Ouais, 9, ouais. ce qui change légèrement la donne, même si c'est un petit peu chipoté, je te l'accorde. Mais ce qui est fort là-dessus, c'est oui, il a l'avantage de stack, il peut taper, mettre des coups de marteau, limite les yeux fermés. Mais là où c'est fort, c'est qu'il a une main quand même. Il a un truc qui va battre quand même pas mal de jeux de la range de l'ami Tal. Mais j'ai plus les montants, mais au final, ça fait quand même un petit différentiel de quelques millions quand Ouais. même, hein, si ça va chez Tal ou si ça va chez lui. Donc, et il le fait avec une main qui est moins Ouais. bonne. Moins bonne que celle de son adversaire, donc Ouais. c'est forcément fort. Là, il va relancer. Attention, hein, Dame 6 suité chez Tal. On va pas la passer celle-là. Main intéressante en HU. Qu'il a le pif ici. Ouais. Enfin, j'ai cru qu'il allait annoncer Ah, il all-in. avait une tête de Ouais. mec qui a balancé all-in. Hein. Ah, j'ai dit all-in, je l'ai dit, j'ai pas Attention, pensé. attention à baby flop là quand même. Ouais, avec aussi une gut shot pour Tal quand Omar, lui, a virtuellement la deuxième paire et tirage quinte par les deux bouts. Faudrait pas prendre la dame. Faudrait pas prendre la dame.
Doublette du valet. Ouais, il est plutôt bonheur là sur cette doublette du valet, Omar. Ah, il a envie de faire des bêtises d'Atal. Il a envie de la faire la boulette, ouais. Après, au tardab, c'est pas tant mauvais, hein. Il est capable de lui prendre. Ils disent, vas-y, je prends le risque maintenant, je paye. Voilà. Parce qu'avec hauteur d'âme, j'ai peut-être la meilleure main. Ouais. Et j'ai encore une porte de sortie au cas où en Kay. Mais voilà comment on arrive à lui. Encore lui attraper un petit peu de pion. Ouais, le roi Rivière. Ça devrait check-check. Là, ici, là-dessus, je vois non, pas. Je pense pas qu'Omar. Je pense qu'Omar, il est peut-être capable d'essayer d'aller lui prendre encore. Waouh! Oh là là! Il surgit au fond de la nuit là, ce all-in. 7,5 millions dans 4,5 millions, quasiment deux fois le pot. Avec juste cette dame en bloqueur. En bloqueur de quinte. Waouh, waouh, waouh! Et le truc, c'est qu'Omar, il a 2-10 là. Ouais. Il se dit que normalement, il y a peu de quinte chez l'autre. Alors, est-ce que tu me fais ça avec un valet? Est-ce que tu me fais ça avec un roi? Ouh, il est suspicieux ce all-in. Est-ce qu'il est pas capable de faire un call de fou là? Est-ce qu'il est capable de faire un call de fou? En fait, j'ai presque envie de dire que ça va être sa capacité à se dire, est-ce que si je passe derrière, je peux quand même continuer tranquillement le démonter? Est-ce que je prends le risque ici de le faire remonter à 20 et quelques millions? Non, à 20 millions, tout pile. 20 millions contre 42. Contre 46, pardon. Il sait qu'il est capable de faire dégoupiller les adversaires. Ah oui, c'est... oui. Ouais. Bon, et puis il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien. Alors nous c'est plus facile, on voit les cartes. On est facile, c'est facile, un peu plus simple de corréler là. Et t'as vu que Chase, Benny, il ne garde pas. Ouais. Il ne garde pas les cartes de Tal. Il est capable de me faire ça avec le roi, roi quoi, roi 10. Ça n'a aucun sens. Ah, il est à deux doigts de call. Hein. Il est à deux doigts de call. Je pense qu'il va call. Ouais, le problème c'est qu'il bloque ses 10 là, Omar. Alors est-ce qu'il va y voir quelque chose de positif ou de négatif que de les bloquer? C'est pas un draw raté, a priori. Donc, est-ce qu'il est en train de se value cut avec un 8, un 9? Est-ce qu'il fait ça avec un valet? Il a une main de match. Hein. Il a un call de victoire. Il a un call de tournoi. Omar Lakhdari, ici, les amis. S'il est capable de jeter la pièce sur la feutrine, c'est gagné. Ah, et sachant qu'en plus, il avait la possibilité, Tal, si jamais il y avait eu brelan de valet ou s'il y avait eu quinte, de raise la turn parce qu'Omar avait misé. Ah, il va passer, You, quand même, je pense. Là, il... Show me five fold. Ouais, c'est. Allez, pas vite. Wow! Bien joué! Énorme victoire d'Omar Lakhdari! Le monstre Omar You! Qui avalé Tal ici! Incroyable! Incroyable! Ouais, et il a utilisé ses pinces, Omar, là, effectivement, pour ne laisser aucune chance à Tal. Tal qui a quasiment été obligé de se jeter dans le vide. Ouais, on exclut GLG, on exclut Dame 10, Roi 10. Ouais, vraiment très très fort. Très très fort, Omar qui a pris tout son temps ici. Là.